y a un peu le côté. Moi, j'ai entendu un peu toute ma vie que la techno, c'était pas de la musique. Souvent, il y a une espèce de truc chez les gens qui écoutent du jazz ou de la musique classique. Je dis pas les musiciens, hein, mais parfois dans le public un peu. Hein, on dit, ah, mais la techno, pff, les boum boum. Et du coup, je trouve ça quand même assez agaçant parce que ça veut rien dire de dire un truc aussi. Enfin, on peut dire, telle musique classique, c'est pas de la musique. Si c'est, enfin, ça veut dire quoi cette phrase? Et d'ailleurs, on se rend compte que parfois, mettre ce mot à côté d'un duo de violoncelle, il y a des gens qui sont un peu. Qui le gomment, quoi, qui l'enlèvent de nos descriptions. Ouais, parce que c'est pas possible, en fait. Déjà, ça fait fuir le public. C'est quand même problématique, parce que bah, voilà, c'est de la musique qui existe, c'est de la musique qu'on peut. On peut essayer de s'approprier les codes, c'est un peu nous ce qu'on essaie de faire. Et puis, c'est un challenge, parce que souvent, un techno, c'est. C'est des choses très concises qui vont se répéter, où les timbres vont évoluer d'une autre manière que ce qu'on va faire habituellement avec le violoncelle. Donc. Bah, les morceaux de techno-acoustique qu'on a dans notre album, c'est les plus durs à jouer. Cas, on a quand même beaucoup de morceaux qui sont un peu du violoncelle normal, quoi, un peu musique de chambre au début du set. Puis d'un coup, on arrive sur les morceaux techno et c'est Paul le premier qui va faire un kick en tapant sur le dos du violoncelle. Et là, effectivement, notre ingé son allume la cellule qui est collée donc contre la table d'harmonie. Et si bien que ça va décupler le son, ça va passer dans des enceintes très graves, des subs, et ça va faire, au lieu de faire poc, s'il y avait juste les micros, voilà, là ça va faire boum.